بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دس اسپیشل سیشن آف کوسچن آنسر ان فرینچ لینگویج. دس از پرٹیکولرلی پلانڈ اینڈ ڈیزائرڈ فار دی فرینچ اسپیکنگ پیپل آل اوور دا گلوب. وی آر ویٹنگ فار دی ارائیول آف حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز ان دی اسٹوڈیو. ان دی مین ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ بردر عبد الغنی جہانگیر ٹو کائنڈلی ویلکم دا ویورز ان فرینچ, اینڈ آفٹر دیٹ we start the program and wait for the arrival of Huzoor in the studio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis francophones, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois à notre émission Rencontre avec les francophones. Nous attendons l'arrivée de Sa Sainteté le Calife Ayyadullah Ta'ala bin Nasser Aziz dans le studio. Lorsqu'il viendra, Inch'Allah, les questions-réponses vont commencer. Mais en attendant, nous avons pensé bon vous présenter un de nos livres que nous avons publié récemment, qui est La philosophie des enseignements de l'islam. Donc on va faire un gros plan dessus pour que vous puissiez bien le voir. Is that okay? Merci. Alors, ce livre a été écrit par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, qui était le Messie promis et l'imam Mahdi attendu par tous les musulmans. Eh bien, je vais vous lire juste une petite introduction de ce livre pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. La philosophie des enseignements de l'islam est un célèbre traité sur l'islam par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur du mouvement Ahmadiyya en islam. Le texte original fut rédigé pour être lu à une conférence interreligieuse tenue à Lahore, qui est une ville aujourd'hui du Pakistan, à l'époque c'était de l'Inde, du 26 au 29 décembre 1896, donc cela fait à peu près 102 ans de cela. Depuis, il a servi d'introduction à l'islam pour des chercheurs de connaissances religieuses et de vérité en diverses parties du monde. Cet ouvrage traite des cinq thèmes suivants, thèmes qui furent choisis par les organisateurs de la conférence. Premièrement, les états physiques, moraux et spirituels de l'homme. Deuxièmement, la condition de l'homme après la mort. Troisièmement, le but de l'existence et comment le réaliser. Quatrièmement, la mise en application des ordonnances de la loi divine, tant en ce monde que dans l'au-delà. Et le cinquième point, c'était les sources de la connaissance divine. Ce livre a déjà été publié en différentes langues, et ceci donc est la traduction française de cet ouvrage. Eh bien, de tous les traités, celui qui fut le plus acclamé et le plus aimé par le public en général, c'était sans aucun doute celui de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il a vraiment traité des différentes questions en grand détail, et tout ce qu'il a présenté a été puisé seulement et uniquement de la source même de l'islam, qui est le Saint-Coran. Je vais vous lire quelques-uns des sous-titres qui apparaissent sous ces questions, les cinq questions que je venais de vous lire, et vous aurez une petite idée de comment le Messie premier, alayhi salam, avait traité ces questions. Donc, la première question, je vous le rappelle, était les états naturels, moraux et spirituels de l'homme. Le Messie premier, alayhi salam, a divisé cette question, qui est une question très importante, en plusieurs parties. La première étant, les actions humaines sont de trois types. Ensuite, la première source, le moi instigateur du mal. La deuxième source, l'âme réprobatrice qui se blâme. La troisième source, l'âme apaisée. Ensuite, le Messie premier, alayhi salam, sous le titre de « L'âme est créée », a démontré, selon le Saint-Coran, comment l'âme n'existe pas depuis toujours, comme le pensent certains, mais qu'elle a été créée par Dieu, c'est une création divine. Ensuite, le Messie promis a parlé de l'évolution progressive de l'homme, puis de la différence entre l'état naturel et l'état moral de l'homme. Les trois phases de la réforme a suivi cela. Puis nous voyons le but véritable des enseignements coraniques, la vraie moralité, la différence entre les termes « khalq » et « khulq », c'est-à-dire entre la création et la moralité. Puis nous avons le premier type de réforme apportée par le Saint-Coran. Pourquoi l'interdiction de consommer le porc, entre autres, l'état moral de l'homme,
Les qualités morales aidant à se défaire du mal, 5 remèdes contre la lascivité, les qualités morales aidant à faire le bien, le courage véritable, la véracité, la patience, la sympathie pour l'humanité, etc. Je crois que sa sainteté vient nous rejoindre maintenant. Wa alaykoum salam. Please be seated and did you start on time? Yes. Very good. Now, please start with your questions. Thank you. La première question, s'il vous plaît. Lorsque les historiens occidentaux parlent de l'âge d'or de la société islamique, ils condamnent souvent le système où les non-musulmans devenaient des immigrés. Quelle réponse peut-on leur donner? Usually when Western historians talk about the society of Islam, of the golden period, the golden age of Islam, they usually paint it in very beautiful colors, but they also like to remind people that non-Muslims would live in Islamic societies as dhimmi. And they would point out that this was a state where... What is the reference? Pardon? What is his reference? To which book, which author he's referring? It's a general trend. No, it's not a general trend. No. I don't see any general trend of this nature. Different authors take the issue differently. And this glorious picture he has read somewhere has not come to my notice. Can you refer to any book which you have read about this? Yeah. Or yes, in an effort to make a question, you just build the question yourself. Well, actually, there was an article which appeared in the French press recently, which was written by a Spanish lady in France, and she also, and in this are way... Are you educating him, his course? Well, actually... More than he knows? Well, it's not his question. He's asking the question on behalf of somebody else. So why didn't you clarify this before? This was your duty to clarify this question. I'm taking it, this question to be his own question. I see. I'm sorry. So, what lady has written what? Tell me. Yes. So this lady is a historian, and she's written about the society of the golden age of Islam, and she said that life there was very nice for people of which golden age? I think it was when science in Islam was flourishing, and in Spain I especially. I can't answer this question because I don't know what actually she has written. What she refers to be a golden age could have been an age less than a brass age. And just general references to articles do not mean anything to me. Somebody should carefully study that article and make a question out of it which is realistic. Next. Depuis ces dernières années, un grand nombre de personnes sont devenues musulmans ahmadis en Afrique francophone. Est-ce qu'il y a eu des signes d'une amélioration de leur situation économique? Just a minute, let me adjust this thing, which also slipped by last time. Okay. Yes. Recently, a great number of people have become Ahmadis in Africa. Since this has happened, has the economic situation changed for the better in any way? It cannot have changed just by this movement which has just started. And still, instead of a trickle, it has become a stream. But it cannot change the whole atmosphere of the country at all. It should take some time. When it becomes a river, then of course it will begin to influence the environment, but not at this stage. Sa Sainteté le Calife dit que la situation ne peut pas avoir changé aussi vite, car nous nous trouvons encore au début de ce mouvement où les gens sont en train de se convertir à l'Ahmadiyya, et ce n'est qu'un petit coulis pour le moment. Le Calife dit lorsque cela deviendra une grande rivière, qui coulera avec beaucoup de force, dans ce cas-là, les choses vont changer.
Ma question est la suivante. Récemment, Zuhour, vous avez parlé des plans des Juifs pour capturer et dominer le monde islamique. Il semblerait que des millions de musulmans ne soient pas au courant de la gravité réelle de la situation. Que devrions-nous faire pour que le public soit averti? Recently, Zuhour had mentioned the plan of the Jews to capture and dominate the Islamic world. It seems that the whole world. Yes, It seems that millions of Muslims are unaware of the real danger underlying this plan. So, what should we do to let them be more aware of what's going on? We can't do anything because they intentionally fall prey to the destruction. They themselves have a very weak moral fiber, if not rotten moral fiber. The second is perhaps the real case. So how can you save them from the Jews when they're already destroyed at their own hands? And how would they respond to your call or your warning? I don't see any way out of that. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, il est très difficile pour nous de faire quoi que ce soit, puisque les musulmans eux-mêmes se retrouvent dans une situation où leur comportement moral laisse à désirer beaucoup. Et donc, ils tombent eux-mêmes, de leur propre vouloir, ils tombent dans le piège qui va les détruire. Comment vont-ils nous écouter lorsqu'ils se trouvent dans une situation pareille? Ils vont se laisser détruire de toute façon dans ce piège tendu par les Juifs. Next piece, Al-Sahar. Veuillez nous expliquer le sens du verset 15 de la sourate Al-Hujrat et nous dire comment il s'applique au contexte actuel. Could you please explain us the verse 15 of Surah Al-Hujrat and how it applies to the present context? Would you please open up at that verse and read it? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. The translation is, the Arabs of the desert say, we believe. Say, you have not truly believed yet, but rather say, we have submitted for true faith. For true faith has not yet entered your hearts. But if you obey Allah and His Messenger, He will not detract anything from your deeds. Surely Allah is most forgiving, merciful. So the question, please? Yes, how does this verse apply to the present context? If it applied to the context of the Rasul of Rasul's time, more progressively and more widely it should have applied to the times which followed. Because if there were such munafiqeen, dissident people, who while in the company of Rasul could dare to do these things, then after the time of Rasulullah, the situation should have worsened. And today, it applies more emphatically and more widely than this verse ever applied. They say we believe, but their deeds show a different story altogether. Their mouths say we believe, their deeds tell the world that we are not the believers. Our actions, our conduct is completely non-Islamic. So you're right to say that this verse does apply in the present context. Sa Sainteté le Calife dit que si ce verset, donc je vais vous lire la traduction française de cela, c'est le verset 15 de la sourate Al-Hujurat, c'est le chapitre 49 du Saint-Coran. Les Arabes du désert disent, nous croyons. Dis, vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt, nous avons embrassé l'islam, car la vraie foi n'est pas encore entrée dans votre cœur.
Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous ôtera rien de vos œuvres. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Sa sainteté le calife nous informe que si ce verset pouvait s'appliquer à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela devrait s'appliquer encore plus aux temps qui ont suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il y avait à son époque des hypocrites qui osaient faire certaines choses qui étaient mauvaises en présence même du prophète, eh bien cela devrait être encore plus le cas après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens oseraient faire beaucoup plus après lui. Donc le calife dit que de nos jours, c'est ce que nous voyons effectivement. Beaucoup de musulmans, de leur bouche, ils disent « nous croyons », mais de par leurs actions, ils démontrent qu'ils ne sont pas des croyants et qu'ils ils sont donc des hypocrites. Et le calife dit donc « vous avez raison de dire que cela s'applique en particulier à notre époque ». Rakiba, the lady sitting next to you, is she a non-Ahmadi visitor? No, she is an Ahmadi lady. She is an Ahmadi lady. From? She lives here in Saudi. Pardon? She lives here in Saudi. She is the daughter of one of the Bunu brothers. Right. What can you say? I don't understand that. Yes, please. Dans les écritures judaïques et chrétiennes, Dieu appelle les hommes ses enfants. Nous comprenons cela comme étant métaphorique. Pourquoi alors ne trouvons-nous pas cette façon de s'adresser dans le Saint-Coran? In Jewish and Christian scriptures, God addresses people as his children. We understand this to be metaphorical, of course, but how come this form of address is not used in the Holy Quran at all? He has already seen the misusage of this address. Does he want more misusage to continue? Sa sainteté le calife dit que vous avez déjà vu comment cette idée a été mal utilisée par les gens, le fait que Dieu appelle donc ses créatures ses enfants. Les hommes ont détourné son sens. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse encore plus? Donc c'est pour cela que ça n'existe pas dans le Saint-Coran. Quelqu'un commet des crimes terribles pour lesquels il n'est pas puni dans ce bas monde. Plus tard, avant de mourir, il se répand de sa vie pécheresse et Allah le fait entrer au paradis. Quelle sera la compensation pour les victimes de ces crimes? Somebody commits a terrible crime or terrible crimes on this earth and is not punished on earth for his crimes, is not caught. But he repents before he dies and Allah pardons him. What will be the compensation for the victims in that case? That is explained by Ahmadu sallallahu alayhi wa sallam. Already, that if someone is forgiven by Allah because of some goodness he must have noticed in him, the crimes he had committed while on earth against humanity would require to be redressed, would otherwise there would be no justice. So somebody commits a crime against a brother of his or a fellow human being and Allah pardons him. So what of that person who has been done wrong? In answer to this question, Ahazur sallallahu alayhi wa sallam explained that some of the good deeds which he might have committed before will be transferred to the account of the person whom he had wronged. And if no good deed could be transferred to the account of that person, then Allah would forgive that person many a sin which he might have committed. So he will not be treated with any injustice. If somebody has done wrong to me and he dies, it is possible that I'm left without any redress. Then Allah will do it by forgiving my sins. So what better answer could I require? Right? I'm glad that you thought of something which did occur at the time of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, and he has already answered it. Huzur nous dit que cette question a déjà été répondue par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
En effet, quelqu'un lui avait posé cette question de son vivant et il a donné la réponse suivante. Si Allah pardonne un homme, même s'il a commis beaucoup de crimes à cause d'une certaine quantité de bien qu'il a vu en lui, eh bien, cela ne voudra pas dire que ses crimes contre l'humanité resteront impunis. Pour autant, lorsqu'il se retrouvera devant Allah le jour du jugement, eh bien, Allah va donc transférer certaines de ses bonnes actions, donc à la même mesure de ses crimes contre les victimes, va transférer certaines de ses bonnes actions sur le compte, pour ainsi dire, des victimes. Si par contre, la personne n'avait pas fait assez de bien, n'avait pas assez de bonnes actions à son compte, dans ce cas-là, même là, il y aurait justice, car Allah pardonnerait aux victimes certains de leurs péchés, toujours à la même mesure, selon la mesure du crime commis contre eux. C'est ainsi que les victimes ne se retrouveront pas du tout sans aucune rémunération, on peut dire, et ces victimes trouveront certainement la justice. Le calife dit que je suis content que cette question ait été posée, parce qu'elle avait été aussi posée à l'époque du prophète, et il a donné sa réponse personnelle. Cela fait longtemps que nous ne pouvons accomplir le Hajj en tant que Jamaat en compagnie du calife de l'heure. Quand pensez-vous que cela sera possible? It's been a long time since we have not been able to do Hajj as a Jamaat with the Khalifa of the time. When do you believe this might be possible in future? Allah knows best. Next. Le calife dit, je ne sais pas, Allah sait mieux. Ma question est à propos de Atatürk. Je voudrais savoir si c'est un modèle politique, économique pour les musulmans dans la réforme qu'il a fait et pour l'économie et pour la religion également. The question of Sister Salima is about Atatürk, Kemal Atatürk. She wants to know whether he is a model to be followed by Muslims in the reforms he brought. Not at all. Farthest from being a model. Practically, his life was that of a non-believer, and he didn't care a fig for what he did. And I don't want to explain the way of his life further, because it will reflect badly on his character. One thing I'm sure, that he was a model only in his defense of his country. And there he was ready to sacrifice everything. So one thing which he loved was his country. Not because it was a Muslim country, but because it has been transgressed against by Western powers. That was his only concern. And he refused to lead a Muslim government out of the result of his victories, because he didn't care for that. The Turkey is great. And that was all he knew and all he lived for. So why should we turn him into a model for Islam? It is only the stupid Maulvis who do that. They don't understand these things. Sa Sainteté le calife dit que, en fait, cette personne ne devrait pas être prise comme étant un modèle pour les musulmans dans les réformes qu'il a faites du tout. Car en pratique, il vivait la vie d'un non-croyant et il se fichait complètement de ce qu'il faisait par rapport à ce qu'enseigne l'islam. Le calife dit qu'il n'aimerait pas entrer dans les détails de sa vie privée, car cela risquerait d'offenser certaines personnes. Mais le calife dit que je suis sûr d'une chose, et c'est que cette personne était un modèle dans la défense de son pays. Ce n'était pas parce que son pays était un pays islamique, ce n'était pas pour cette raison-là qu'il aimait son pays, qui est la Turquie, mais il était prêt à tout sacrifier pour défendre et protéger son pays contre l'attaque et la transgression des autres. Pour lui, c'était la Turquie qui était grande, et la façon qu'il était prêt à se sacrifier, en cela, il est certainement un modèle pour les autres, mais c'est tout. Waalaikumsalam. This time, you should have come with some solid question. Eh? Because during the previous three attempts, you couldn't produce anything. Eh? Okay, Hassan. Have you found some real question? Yes, I have found. I hope so. L'hypnotisme est-il permis dans l'islam?
Is hypnotism allowed in Islam? Yes. The use of hypnotism? Yes. For good cause. Not for bad cause. Right. Le calife dit que oui, pour une bonne cause, pas pour une mauvaise. Yes, that's right. Thank you for this short question and short answer, please. Salam Hazou. Wa alaikum. Le Dalai Lama est un personnage très estimé en Occident. Quelles sont les raisons et que pensez-vous de cette personne? The Dalai Lama is a personality who's very much esteemed in the West. What do you think of him, and why does the West turn to him so much and esteem him so much? This is for political purposes, because the Dalai Lama once led most of the Tibetans as a religious leader, no more so. Another Lama, known as Panchen Lama, has replaced him in most of the Tibetan territories as the true strong religious leader of the present times. The Dalai Lama was ousted from Tibet during Indian and Tibetan War. And ever since, the Chinese War, who supported Tibet and Indians who opposed the intervention of China in Tibet. Because prior to this, India had the sovereignty rights all over Tibet. And Dalai Lama was an Indian protege. So when China almost entirely captured Tibet and snatched it away from the Indian control, the Dalai Lama had to leave his country and run for protection of Indian government. So that is why he left Tibet for the first time. While he left Tibet, the Tibetans gradually moved away from his spiritual leadership. And his influence was replaced by a man called, or a leader called Panchen Lama. Most of the Tibetans follow their rites behind him. Now this is the story of Dalai Lama, as far as I know. The West is evidently interested in Dalai Lama because of the Chinese, whom they don't like. Attempts were made by Americans to capture Tibet, and rising was somehow as commanded by America, rising was invoked against China. And there was a small period of hope for those people in Tibet who wanted to be extricated from Chinese command. But Americans, like always, they supported them and gave them hope to live for a while. And when it was no longer advisable for America to remain in Tibet because of repeated defeats at the Chinese hands, they decided to withdraw. And those poor Tibetans who had started a real armed revolt against China, they were left unprotected. So this situation has further worsened the state of foreign command and rule in China, in Tibet. China defeated their attempts to do so. So the Tibetans turned as a result not to China, which was still an adversary,
they turned more to the Panchen Lama and his influence to keep their religion alive. And they are, Panchen Lama and his party are quietly influenced by the Britain, like in their silent diplomacy, they always do. So it's an amazing hodgepodge of different influences and things going on. And of this I have my personal evidence, which I collected by sending someone to Tibet, that already not America, but Europe, particularly England, has built a very good attractive image among these Tibetans. Right? Sa Sainteté nous explique que si les Européens ont de l'affection pour le Dalai Lama, cela est en fait pour des fins politiques. Le Dalai Lama dirigeait autrefois les Tibétains. À présent, c'est le Panchen Lama qui l'a remplacé dans ce rôle. Le Dalai Lama fut chassé du Tibet au début même de l'occupation chinoise de ce pays. Avant cela, c'était l'Inde qui avait la souveraineté sur tout le territoire tibétain. Et le Dalai Lama était un protégé de l'Inde. Lorsque, par contre, la Chine put dominer tout le Tibet, le Dalai Lama, étant le protégé de l'Inde, dut s'enfuir et quitter le pays. Les Tibétains le délaissèrent peu à peu et se tournèrent plutôt vers son rival qui était le Panchen Lama pour le remplacer dans le rôle qu'il avait. L'Occident s'intéresse évidemment au Dalai Lama car il n'aime pas la Chine. Et les Américains avaient essayé dans le passé de créer un soulèvement au sein même du Tibet contre la domination chinoise. Et cela devint une source d'espoir pour ces Tibétains qui voulaient se libérer de la domination de la Chine. Les Américains soutinrent les Tibétains pendant un certain moment, mais après plusieurs défaites devant les Chinois, les Américains retirèrent leur aide et abandonnèrent les Tibétains à leur sort. Et donc, ces derniers se retrouvèrent sans aucune aide et ne purent que capituler devant la Chine. C'est alors que les Tibétains préférèrent se tourner plutôt vers le Panchen Lama que vers le Dalai Lama qui avait déjà quitté le pays, pour que ce dernier sauvegarde leur foi. Mais il y a un fait assez intéressant, dit le calife, c'est que le Panchen Lama et son groupe sont en fait, eux, influencés par la diplomatie secrète de la Grande-Bretagne. Donc c'est un mélange très, très drôle et insolite de différentes, comment dire, de différentes influences qu'on voit là-bas au Tibet aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. I wonder if you have covered everything that you said in this short period. J'ai raté quelque chose. Yes? Somehow. Teach me this brevity of your style, huh? Please? Oh, next. Assalamu alaikum, Huzur. You have a question? I've got one, Huzur. Good, please. Huzur, assalamu alaikum. Comment voyez-vous le développement de la science après un scénario de troisième guerre? You are an anti-girl and you don't know where to put Huzur, I'm not used to talk to this. Comment voyez-vous le problème des workers, hein? Please. Comment voyez-vous le développement de la science après un scénario de troisième guerre mondiale? How do you picture the development of science after a scenario of Third World War? After the first setback? I don't realize myself. If I do, it will be a very long answer. But I can quote Einstein, who was once inquired the same question. He said, the question was, well, how do you realize, like she has said. Einstein said, I don't know what will happen after this war, after the Third War, but the Fourth War will be fought with staffs and stones. That means all civilization, all scientific achievements will come to a knot, and man will restart his journey from the ancient time when he used to fight with stones and staffs. Got it?
You would like to be rather born in that period? No, please. Sa sainteté le calife dit que je ne peux m'étendre dessus car cela demandera une réponse très très longue. Mais suffira-t-il de dire que Einstein aussi avait reçu cette question une fois, on lui avait posé la question. On lui avait dit comment voyez-vous le monde et la science, etc. après la Troisième Guerre mondiale. Il dit je ne peux vous dire comment sera le monde après la Troisième Guerre mondiale, mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois que la Quatrième Guerre mondiale se fera à l'aide de bâtons et de pierres. Car c'est tout ce qu'il restera de toute cette science et de cette civilisation. L'homme retournera au point de départ et devra tout recommencer à nouveau. Yes, please. De l'eau dans la lune, comment cela va changer la vie sur Terre? Water has been discovered on the moon. How do you think this is going to influence life on Earth? They are going to utilize the presence of water for refueling their flights into space. So that their reach has now been enlarged to a very large degree. And secondly, they can now build their Earth station on Moon compared to the rest of the universe, so that would be the Earth station on Moon. And because of the presence of water, they can utilize it for their survival. So it's a great news. And new avenues are opened by this. Sorry. Sa sainteté nous dit que on pense pouvoir utiliser cette eau qui a été découverte sur la surface de la Lune pour créer du combustible qui va aider les voyages dans l'espace. Là, on pourra aussi créer maintenant une station lunaire puisqu'il y a de l'eau, donc l'eau signifie survie, et cela est évidemment quelque chose de très bien pour la vie sur Terre. Est-ce qu'il y a des indications dans le Saint-Coran que les gens continueront à vivre dans l'espace même après la destruction de la Terre? Are there any indications in the Holy Quran that men will be living in space even after the human race has been destroyed on Earth? Of course there are indications of man moving to space. But also there are indications of other planetary life to come and join man in finding a suitable place for their existence in somewhere in mid-heaven. So there are possibilities which are referred to, but no certain definite news is traceable by me in the Quran, where it says that most certainly men will live in space. But it says that men can live in space, and there will be a time when the other planetary life would be brought together with men on this earth. So possibilities are opened, although definite news is not given as to how it will happen. It will happen, but how, that we don't know. Sa sainteté le calife nous dit qu'il y a des indications dans le Saint-Coran du voyage de l'homme dans l'espace, et il y a aussi des indications qui parlent d'autres formes de vie qui sont donc des formes de vie extraterrestres qui vont rencontrer la vie humaine. On ne sait pas où, peut-être quelque part au milieu entre la planète Terre et d'autres planètes, on ne sait pas exactement où. Et mais le calife dit que à ma connaissance, il n'y a pas d'indication très exacte ou définitive qui parlerait de la colonisation de l'espace par l'homme et le fait que l'homme va certainement habiter dans l'espace. Mais ce que dit le Coran montre qu'il y a une possibilité que l'homme vive dans l'espace et que les deux types de vie, terrestre et extraterrestre, vont venir ensemble. Et c'est tout ce que je puis dire à ce sujet, dit-il. Dans un récent sermon, Hazour a expliqué que la prière Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir suffit pour tous les besoins personnels. Quel est le rapport entre cette prière et les prières pour et les autres prières, les prières pour autrui? In a recent sermon, Hazour had mentioned this prayer.
And, yes, please. And had said that this prayer covers all needs, personal needs, which we could ever ask Allah. What is the relationship between this particular prayer and the other prayers which people ask you to do for them, which are not personal? In other prayers, mostly you define the thing which you need from Allah. In this, it is left to Allah to define what we need. That's all the relationship. Le calife dit que dans les prières pour autrui, pour les autres, c'est vous, il vous incombe à vous de définir ce que vous voulez demander d'Allah. Par contre, dans cette prière-ci, qui signifie « Ô mon Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de toute chose bonne qui peut venir de toi », dedans, vous laissez cela à Allah de décider quelle bonne chose il peut bien vous donner. Dans bon nombre de pays chrétiens, l'on doit prêter ses mains sur la Bible avant de présenter son témoignage. Dans de telles situations, que doit faire le témoin musulman? In many Christian countries, before being sworn in to bear witness in the court, for example, before being sworn in to bear witness, yes, one has to place one's hand on the Holy Bible. What should a Muslim do in this situation? I don't think the Muslims are compelled by law to put their hands on the Holy Bible. No. So they shouldn't do anything. Because mostly they're going to tell lies. It's better not to put their hand on anything. Yes. Le calife dit que je ne pense pas que les musulmans soient obligés dans ces cas-là de prêter serment en posant la main sur la Bible. Le calife dit qu'il vaut mieux de toute façon qu'ils ne mettent la main sur rien du tout, parce que de toute façon ils vont aller mentir. Donc s'ils vont mentir, il vaut mieux ne pas le faire sur un livre saint. Dans certains pays, après la récitation par l'imam de la sourate Al-Fatiha, les adorateurs disent Amin avec un petit R. Il a été remarqué qu'à la mosquée de Londres, cela n'est pas le cas. Quelle était donc la pratique des premiers musulmans? It has been noticed that in certain countries, after the imam has recited Surah Al-Fatiha, the people behind him in the prayer will recite the Amin with a little tune. Louder. With a tune like which it always happens in Mauritius. Yes. With a beautiful tune, you know. Amin. Something like that, yes. You know, and that varies from place to place in Mauritius. The person who leads the Amin tune does it differently in different places. So what? What is the question? The question is, what was the practice of the first Muslims? Was this the practice or not? I don't know their practice definitely, because the opinions differ. But I do certainly know the practice in Qadian. There, people were given choice to say Amin silently or loudly if they pleased. But never I heard them who spoke loudly of going into music and inventing musical tunes. That was my first experience in Mauritius. In Qadian, we always did Amin, some loudly, some without uttering it loudly. But they said just Amin. That was that. But not Amin, you know, like it happens in Mauritius, please. Sa Sainteté dit que j'ai rencontré cette pratique la première fois lorsque j'étais à l'île Maurice, où les gens donc chantonnent un peu le Amin, ou le Amen, comme on dit en français, après la récitation de la sourate Al-Fatiha. Sa Sainteté dit que je ne sais pas quelle était la réelle pratique des premiers, les tout premiers musulmans, car les opinions diffèrent à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais la pratique à Qadian, donc la pratique qui a été établie par le Messie premier alayhi salam lui-même. Et à Qadian, on avait laissé le choix aux adorateurs, soit de réciter le Amin avec, silencieusement, ou bien de le dire avec un air. Et je ne me souviens pas d'un seul cas où une personne aurait récité le Amin comme le calife l'avait fait tout à l'heure, avec un petit air, donc en musique. Le calife dit que c'était en fait la première fois de ma vie d'entendre cela à l'île Maurice. Et donc, so, does it mean no. that... You know, when I imitated you in Mauritius,
I couldn't do it properly. You can do it properly. So tell us how the Mauritians do. How the Mauritians do it, yes. It depends on the Imam. It depends on his tune. It depends on you now. Yeah. It depends on his last note. Whatever his last note is, it'll be followed. No, this is wrong. It's absolutely wrong. Are you a Mauritian? I've seen it like this, Hazur, in Mauritius. You're more Irish than Mauritian. Well, or let's make them demonstrate it. The Mauritians are sitting. Now, Faiza's brother, how would you do it? In Mauritius, if in Mauritius, how would you say Ameen? Say Ameen. Do it properly, hopefully. Ameen. Thus, I've heard much longer Ameens there. Mm-hmm. How would you do that? Ameen. And ladies, we leave alone. But you're not still doing justice to the Ameens of Mauritians. Thank you for escaping. Please. Next. Dans les versets 49 et 50 de la Sourah Al-Tur, tantôt la troisième personne du singulier, tantôt la première personne du pluriel sont utilisées. Quelles sont les raisons derrière ce style particulier? Les versets sont 49 et 50. In the verses 49 and 50 of Sourah Al-Tur, Allah refers to himself in the third person of the singular. He refers to himself. To himself, yeah. Yes. Mm. And then he speaks in the first person of the plural. Why this particular style of address? In all these places, there are two possibilities. One is to represent the grandeur of a majesty. When Allah declares that we do it, it means the entire universe is with him. And like the queens or kings say, we will do that, that has a connotation of majesty about it. So in the previous verses where you have noted this, you'll always find some majestic expression of God's greatness and his glory. And the nature demands that address should be in we. And in other places, we is used to warn the opponents of the prophets, to indicate that when God says we, his universe will be on the side of the prophet. And these opponents will never be successful because they cannot find the laws of nature which will be siding with the prophet. So it is this message which is delivered to the opponents by the usage of plural first person. Please. Sa sainteté le calife dit qu'il y a, deux possibilités. L'une étant de représenter la grandeur de sa majesté. Lorsque Allah utilise le mot « nous », il utilise ici la forme qui est appelée le pluriel royal. Et cela dans le souci de présenter sa gloire d'une façon majestueuse. Le mot « nous » est utilisé pour avertir aussi du même coup les adversaires des prophètes. Et Dieu est en train de dire par « nous » que, attention, lorsque nous faisons ceci, donc cela signifie que tout l'univers de Dieu, tout ce qu'il y a dans l'univers, va se tenir aux côtés de Dieu dans cette chose. Et que donc cela sera tout à fait futile pour ses adversaires d'essayer de donner la défaite au prophète de Dieu. No. But I think the question was, why the change between, in the same verse, within one verse, between he and we? I've answered this in principle. Where he is referred, there are people who know God, they know him as a third person. And when God many a time addresses to his dear servants, there he refers to himself as your God, your Lord. So these personal references serve different purposes. In case of Rasulullah,
You will always find it, Rabboka. Your Lord has done it, to indicate that He is the dearest of all the people to Him. So these references to the person of God are always in accordance with the situation of the subject being discussed. Sa Sainteté le Calife dit que lorsque Dieu utilise la troisième personne du singulier, c'est parce qu'il est en train de s'adresser à des personnes qui connaissent Dieu. Ils le connaissent en tant que troisième personne au singulier. Et lorsqu'il s'adresse à ses serviteurs choisis, il dit souvent, il utilise le terme souvent, Rabbuka. And actually, I think this does come in this verse, the word Rabbuka. Yes, it does. Donc, le mot Rabbuka signifie ton Seigneur, que c'est ton Seigneur qui le fait, ce qui démontre un amour et un lien très profond, un rapport très profond entre Dieu et cette personne particulière. Donc, l'utilisation du pronom, que ce soit donc le pronom il ou le pronom nous, va toujours être fait selon la situation, selon le contexte. Jérusalem restera-t-il toujours un lieu sacré pour les musulmans du futur? Will the town of Jerusalem always be a sacred place for Muslims in the future? Yes, for the whole world. Once it has been chosen by God to represent His association with Jerusalem, there so many prophets of God were born who worshipped Him purely with true dedication. They bless the place by that remembrance of Allah in a manner that God has given it a permanence. Whatever bad words are spoken there, they cannot wipe out the beauty of the dedicated expression of their love of God. Sa Sainteté le Calife dit que oui, Jérusalem restera pour toujours un lieu sacré pour tous les musulmans. Car une fois que Dieu choisit un endroit pour une raison particulière, et dans ce cas, on a vu la naissance de plusieurs prophètes aimés de Dieu dans ce lieu, et d'autres prophètes y ont vécu, eh bien ces prophètes ont béni les lieux par leur adoration, par leur amour pour Allah, et ces choses-là sont des choses qui vont donner une éternité à la place. Et donc Dieu va préserver cette place pour les musulmans comme un lieu saint, pour toujours. Doit-on établir une communication avec les anges, ou est-ce que c'est permis, ou je voudrais savoir si on doit avoir une connaissance à propos des anges, leur nom, leur faculté. Is it permissible to establish a contact, a personal contact with angels, and for that should we know their names and their qualities, etc.? It is up to them to disclose them and reveal their identity. She can't do it herself. Many angels appear to people in apparitions because they have no physical bodies to be seen. And their shapes are beyond our comprehension. This is the case of all spiritual beings. Their shape, their features are incomprehensible. At least here, while we are here in this earth. So they appear to people according to their own potentials and their own nearness to God. For instance, Angel Gabriel appeared to Jesus Christ in the form of a dove. Now, dove is a weak animal which is being targeted by birds of prey. So that was in fact a prophecy that for a long time Christianity was to be transgressed against by the villainous Jewish and Romanian people, and Christians would offer themselves as a target for that. So that is my interpretation. But other interpretations have been forwarded. Some say because Christianity in its essence offered no offense, like the dove does not offer any offense to anybody. But anyway, the appearance of Jibril
to him in the form of a dove was not indicative of Jibreel's own body or physical existence. Only a message was delivered. The same Jibreel appeared to Ahazah filling the whole horizon from east to west. So that was evidently indicative of his universality, that he would be the universal prophet covering the whole world from east to west and west to east, and north to west, not to south. So this is how angels appear in a form which in itself serves a purpose, not just haphazardly. And their forms change while they appear to the same person, in accordance with the message they bring. The same Jibreel appeared to Ahmad in the mosque as an ordinary person. He asked such questions to educate the present people. And when Rasulullah answered the questions, the man just disappeared. And people were amazed to find no trace of any journey on this person who was not known to them. He must have come from outside. So when Rasulullah said he was Jibreel, people rushed out to trace him. No trace was to be found anywhere. The whole Medina, all streets were empty of that man, because he had only appeared as an apparition. And in that role of asking questions, he adopted this human form. So that is why I insist that all angels appear to different people when they do appear in a form which is befitting for that occasion. And in that form they always deliver messages. Right? Got it? Thank you. Sa sainteté le calife dit que cela dépend des anges de se révéler et ce n'est pas à une personne de pouvoir les appeler et de communiquer avec eux. Les anges apparaissent sous différentes formes, car leurs formes réelles sont des formes au-delà de notre compréhension tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes dans ce bas monde. Les anges apparaissent aux gens selon les potentiels de ces derniers, selon la proximité de Dieu de ces derniers. Gabriel, par exemple, l'ange Gabriel, avait apparu à Jésus sous la forme d'une colombe, qui est un oiseau très faible, qui est un oiseau qui est ciblé par tous. Eh bien, c'était en fait une prophétie qui démontrait que le christianisme resterait la cible des Juifs, des Romains et d'autres peuples pendant un très long moment, car le christianisme ne fondait personne. À l'instar de la colombe, qui elle non plus ne fend personne, ne fend personne. En fait, il ne s'agissait pas du corps de Gabriel. On ne peut pas dire que le corps de Gabriel était le corps d'une colombe, car le même Gabriel était apparu devant le saint prophète, remplissant tout le ciel de l'est à l'ouest, du nord au sud, et d'un horizon jusqu'à l'autre, il n'y avait que Gabriel. Cela démontrait la proximité plus avancé du Saint-Prophète par rapport à Jésus. Mais les anges apparaissent sous d'autres formes selon les messages qu'ils portent. C'est toujours dans un but quelconque. Et leurs formes peuvent changer selon la nature du message. Car on sait que le même ange Gabriel était apparu sous la forme d'un homme aussi dans la mosquée un jour. Et il était venu pour enseigner aux compagnons la foi. Lorsque l'homme sortit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons que c'était l'ange Gabriel qui était là, et les compagnons s'étonnèrent de sa connaissance et se précipitèrent dehors, mais ne le trouvèrent pas, car c'était un ange, donc il avait disparu. Mais le calife dit que tous les anges apparaissent sous des formes selon des buts et selon leur message. You left with 48, 47, 46 seconds. And less now. Okay. Can you pose your question? Okay. Okay, let's see. Que signifient les versets 28 et 29 de la sourate Al-Najm? What do the verses 28 and 29 of Surah Al-Najm mean? What are these verses? This time you have chosen
a question which would require much longer for me to answer. Eh? Very clever. At last. So the time is about to be over. And this question, from this question we can start next time. Our next session. Inshallah. Right? Remember, we'll start our next session from you. Okay? Okay, yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.